Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Un jour, un jeu de la semaine, le volume 15. Aujourd'hui, on va tester Zombie Tsunami. C'était pas le jeu qui était prévu à la base, je vous avais trouvé un petit jeu sur l'univers de Dragon Ball qui était vraiment top, le record a buggé. Et malheureusement, depuis, j'arrive pas à relancer le jeu. Donc le jeu Dragon Ball se trouve également sur l'App Gallery, c'est Dragon Ball Idol, et il est plutôt pas mal, un petit peu à l'instar d'un football manager, mais dans l'univers Dragon Ball. Donc du coup aujourd'hui, eh bien, on va voir le Zombie Tsunami qui est un jeu, comme j'appelle un jeu toilette, c'est-à-dire que c'est le jeu où on peut jouer 5 minutes, passer un petit peu de temps, bien s'amuser et surtout bien rigoler. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de bombarder la barre de pouces bleus, très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Du coup, on va attaquer Zombie Tsunami, donc on peut jouer à plusieurs. C'est un jeu qui est déjà pas mal connu de beaucoup de monde. Vous pouvez, eh bien, vous identifier sur vos réseaux sociaux. Il y a des trophées, des missions. Par exemple, là, je dois finir 3 parties, manger 10 civils et sauter sur le toit d'une voiture. Il y a un marché. Le marché, bien sûr, bah, il y a des golds. Les golds, on va les acheter au fur et à mesure. Il y a différentes tenues. On a également des améliorations et des pièces et des diamants. Hein, par exemple, like et gagne 500 pièces, diamant gratuit en regardant une courte vidéo. Voilà, hein, le genre de choses très très classiques sur ce genre de jeu-là. Du coup, on est maintenant parti, on va tester une première mission. Hop, on le mange. En fait, il suffit d'appuyer. Donc, hop, sur espace hein, pour sauter. Là par exemple, on a un grand saut. On reste appuyé, garde appuyé pour faire un saut long. Garde appuyé pour faire un saut long. Voilà. On a 2 vies. Hein. Quand on attrape les piétons, eh bien, au fur et à mesure, on a de plus en plus de zombies. En gros, on les mange et on les transforme eux aussi en zombies. C'est 0 sur 4. Comme on est 4, eh bien, on peut bouger la voiture et manger l'humain, tout simplement, pour transformer. Hop. On devient un dragon, un petit bonus. Tu peux tout détruire. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. C'est le genre de bonus plutôt sympathique. Il n'y a rien qui nous fait peur quand c'est comme ça. Hop. Donc là, on est déjà à 16 humains. Et on est redevenu en zombie. Pour de vrai. Bonne chance. C'était le petit tuto de départ. Maintenant, on va faire notre partie avec un zombie, une vie. Donc là, bien sûr, on monte au-dessus. On va manger. On est que 2, donc il en faut 4. 3. Hop, on continue. Donc au départ, c'est des niveaux assez simples. Ça devient de plus en plus compliqué. Hop, la poubelle, on peut la retourner. On prend des golds. On a eu chaud. Hop. Là, c'est cool, on en récupère 3 d'un coup. On évite hein, un tsunami, donc ça c'est plutôt cool aussi. Le tsunami, eh bien il faut cliquer plusieurs fois. Voilà. Manger 10 civils, c'est fait. On est 11 maintenant. Et là voilà, j'ai été touché plus d'une fois. Du coup, j'ai perdu du monde. Et là, on peut pas, on est que 7, il en faut 12 pour détruire le tank. Les bombes, on est plus que 5. 4. On est re 5. Au
fur et à mesure, voilà, on perd des zombies. Le but, eh ben, c'est d'en avoir le plus possible. Et d'en perdre le moins, d'arriver au bout. Hop, on est plus que 3. Ça tremble, ça tremble. On continue. On a un petit bonus. On est géant. Et j'ai failli tomber. Ok, on continue. Hop. Oh là, on va en perdre. On est plus que 3 à nouveau. Une voiture, on l'évite. On récupère quelques policiers là. Et là, on va tous mourir. Voilà, j'ai perdu la vie. Donc on peut récupérer. Et là, tout simplement en regardant une petite pub comme je fais à l'heure actuelle. On va la laisser passer, ça nous redonne une vie. Et puis sinon, eh bien, on a perdu la partie, il faut recommencer. C'est tout simplement, voilà, comme je veux dire, un petit jeu toilette, sympathique à jouer, à rigoler. Il y a pas mal de petits jeux dans ce style-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez rigoler 5 minutes, comme y jouer 2 heures si vous le souhaitez. Le jeu, il date de 2016, il me semble. J'y jouais déjà, celui-là, je l'avais déjà fait avant. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Hop, là, et là, on revient là où on en était avec les 22 qu'on a eu au départ. Donc sur les 80 humains. Là, ça va vite par contre. Hein. Hop. Et là, on n'a pas intérêt de se rater. Hein. Là, voilà, au fur et à mesure, il y a un petit peu de difficulté. Et là, on est mort à nouveau. Donc on a tout simplement fini deux parties, on a fait que deux parties sur trois, une partie pardon sur trois, on a mangé 10 civils. On va collecter hein, quand même les missions, parce que ça c'est récupéré, ça augmente un petit peu eh bien, notre éprouvette. On collecte. Ok, donc encore une petite pub, donc il y a pas mal de pubs hein, sur ce petit jeu là. Hop. J'ai coupé du coup un petit peu hein, le temps de la pub. Histoire de gagner du temps. Hop, on a gagné 5 diamants. L'émission. Donc là, ce coup-ci, on aura faire un saut de 2 secondes, renverser 2 véhicules et finir 3 parties. Là, on en a qu'un, hein, donc on va pas essayer de renverser la voiture. Pour l'instant, on a perfect 2 pièces. J'aurais pu prendre la poubelle. On a fait le saut de 2 secondes. J'avais assez pour renverser le bus. On n'est plus que 6. Et là, ce coup-ci, on a les ninjas. Ninja, ils font tout simplement un double saut. Hop. On a perdu un. Ouf. Le bus, on n'est pas assez, on est que 4. Et on continue. 5 pour 8. On est 8 pour 12, ça marchera pas. Voilà hein, l'intérêt de gagner un maximum de zombies et d'en perdre le moins possible, pas comme là.
Là, j'aurais pu retourner la voiture. Et là, j'ai perdu. Ça a été rapide. Hop. On va pas regarder la pub ce coup-ci. Ok, j'ai fait l'émission. Ça continue de collecter, hein. Jus de sang impur concentré. Hop. Ça me donne de toute façon un petit peu de gold. Je collecte une fois. Ok. Les oiseaux sont des compagnons au pouvoir incroyable. Voici 30 diamants pour acheter ton premier œuf. Ça n'existait pas la première fois que j'y ai joué. Cadeau gratuit. Change 5% des véhicules en pièces. Ok, ça peut être cool. Allez, on va faire un petit rejouer. Amasser 4 bonus, finir 3 parties, renverser 2 véhicules. Donc 2 véhicules, ça peut être tout comme véhicule, hein. Hop. Hop, et on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On est 4. La voiture, on peut la retourner. Un petit saut. Un bonus. Quarterback. Voilà, quarterback, ça nous permet de tout renverser, hein. Là, on a remporté beaucoup de monde, du coup. Et là, j'ai raté pour une partie. On se retrouve à deux encore. Il y en a quand même deux qui ont survécu. Qu'un. On récupère les autres. Hop là. Voilà, même quand la partie est quasiment finie, eh bien, on a des chances de pouvoir continuer, tout simplement en récupérant d'autres zombies. Et franchement, voilà, c'est un jeu plutôt fun à passer, vraiment en mode chill, tranquille, quoi. Hop. Donc là, ça c'est plutôt cool, hein, quand on en perd un. La soucoupe nous en ramène un. Donc c'est un des meilleurs bonus dans le jeu. Là ça accélère, hein. Là on va perdre quelques zombies. Et on va tomber. On les a tous perdus ce coup-ci. Voilà un petit peu pour le zombie tsunami. Le petit jeu fort sympathique pour passer 5 minutes que je vous ai présenté dans ce Un jour un jeu. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, eh bien, dès demain, nous reprendrons le planning plus ou moins habituel. Je le sors pas, hein, cette semaine directement. Il y a eu trop de modifications la semaine dernière. Et on est encore sur les semaines anniversaires de Sensei Awakening, sur les semaines de pré-anniversaire de cette DS. Puis il y a pas mal de choses qui vont arriver, dont l'arrivée de Genshin Impact sur la chaîne, qui me force à revoir un petit peu les plannings. Sur ce, je vous dis à très très vite, prenez soin de vous.